Aïe, Mboulani, ouais. Il me semble que la plupart des Gabonais confondent le 6 et le 9. Parce que lorsque tu écris 6, tu renverses le 6 là, ça devient 9. Daïlena, ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas partis aux élections pour élire le président de la République gabonaise, son excellence numéro 1 Gabonais, Olirangama, le général Olirangama. C'est un coup d'État. Le coup d'État, Olir est même gentil. Il me semble que vous confondez des choses, hein. Quoi? Parce que Olir a ouvert les bras aux civils pour dire venez travailler avec moi. Le coup d'État, il n'y a que des militaires qui devaient tout faire. Je dis bien, rien que des militaires qui devaient dans tous les bureaux administratifs. Vous confondez des choses. Et vous passez de comment il doit voir son fils. Il doit voir son fils. Vous cherchez les problèmes, hein. Le Gabon va se soulever. Vous, machin. Quand la cruche à Lianga était en prison, même la cruche à Lianga, qui a fait beaucoup, le peu de temps qu'il est resté à côté d'Ali Ben Mogo Ondimba, la cruche, la plupart des ruelles, Libreville, l'idée de la cruche, la plupart des fondations, la cruche à Lianga, il a fait combien d'années en prison? Quoi? Lui, il n'a pas de mère. Il n'a pas de père. La cruche, un orphelin, il n'a pas de parents, il n'avait pas d'amis. Il était prisonnier. Il est parti en prison. Quel Gabonais qui s'est levé pour venir, il faut laisser la cruche, il faut que les parents voient quand même la cruche en prison. Quel Gabonais? La plupart des gens qui ont mangé l'argent de la cruche. La plupart des gens qui ne juraient que sur le nom de la cruche. Qui est venu dire on doit voir la cruche ou faire du tapage? Mais comme c'est Ali Ben, comme vous avez encore dans vos têtes que c'est Ali Ben le président de ce pays, que le pays-là appartient à la famille Bongo, enlevez ça dans vos têtes. Vous allez monter au créneau, nous on monte au créneau. Point barre. Le Gabon là ne vous appartient pas. Il y a mis le Gabon. Damina c'est du comme. Il faut d'abord poser les actes. Il faut d'abord nous montrer ce que vous avez eu à faire avant d'abord de revendiquer na passant d'Abadidoua. Edoua. C'est-à-dire vous donnez même les ordres au président de transition. Mais vous confondez des choses, hein. Mais il faut se battre à coup d'État. Mais il me souvient d'un coup d'État. Quoi? Parce que Oligui a dit non, non, bon, comme c'est un frère, il ne doit pas aller à la prison centrale, résidence surveillée. Mais c'est un prisonnier. Mettez ça dans vos têtes, Vardomi Lomina. Vos têtes bourrées de Donkoumou. Mettez ça dans vos têtes. Yeminoura. Vous confondez les feux de manioc avec l'Onkoumou. Mettez ça dans vos têtes, vos têtes. Là, c'est un coup d'État. Et Ali Ben est prisonnier. Et vous venez dire, dites-nous si c'est vraiment lui. Combien d'événements Ali Ben a eu après son arrivée à Riyad, ici au Gabon? Combien d'événements sa mère est partie saluer Ali Ben? Combien d'événements son oncle est allé saluer Ali Ben? On n'a pas vu ça dans les télés. Les paroles s'envolent. Les vidéos restent. Yeminoura. Hein? A scellé. A salué combien de fois Ali Ben? Que vous allez dire, peut-être c'est même plus lui. Peut-être que c'est plus Ali Ben. Peut-être que vous avez tué Ali Ben. Il y a eu combien d'événements? D'où, comment on appelle? Au jardin botanique, jardin, comment ils appellent ça? Là où il y a, ils mettent leur bâche là. Il y a eu combien d'événements là-bas? Là où Ali Ben a pris sa mère dans les bras. Là, c'était pas Ali Ben, non. Là, elle n'avait pas dit que c'était pas Ali Ben. Mais vous oubliez vite, hein. Junior Bongo, qui voulait voir son père, son grand-père, Papa Anjoua. On l'a pas bloqué. Quel est l'homme du Haut-Ogoué? Ou quel est le Gabonais qui est venu dire, non, il doit voir la dépouille de son père, de son grand-père. Qui est venu dire ça? Comme c'est Patience Dabani. Qu'est-ce que Patience Dabani a trop fait dans ce Gabon? Dites-moi, citez-moi ce que Patience a pas pillé le marché de Montbouette, pour ses intérêts. Qu'est-ce que Patience Dabani a déjà fait, a fait pour les Gabonais? Na Azuna Magva, je meurs là, j'ai laissé tel établissement, j'ai laissé telle maison pour les Gabonais, même son fils qui a eu à dire la maison Oyo. Il donne ça pour l'université. Quel Gabonais? Quel est l'homme? C'est bien beau de venir parler.
C'est bien beau, hein, de venir parler. La tête n'est pas faite pour porter les chevelures. Elle est faite pour réfléchir. Lorsque tu viens parler, lorsque les gens viennent parler, pour dire, elle doit voir. Tu laisses la liberté pour qu'elle puisse voir sa mère. Comme c'est vous qui donnez déjà les ordres au Ligui. Vous donnez les ordres au Ligui. Vous ne connaissez pas les Gabonais. On va se soulever. Que vous allez vous soulever, qu'il y a quoi? Le Gabonais vous appartient encore. C'est-à-dire que vous avez encore ça dans vos têtes. Hein? En fait, c'est ce qui vous tue. Et c'est ce, en fait, c'est ce qui me dépasse, quoi. Que vous rêvez tellement, vous suivez tellement The Magie avec Nevelas. Vous suivez tellement The Magie, c'est-à-dire la chaîne des femmes, là. The Magie. The Garabou a The Magie. C'est fini, là. Ali Ben est prisonnier. Passons d'Abani. Dans bientôt, hein, je te dis, nous, on va monter au créneau pour que tu commences à payer les taxes. Les taxes de tous les magasins que tu as à Montbouette. Tu vas payer les taxes là, à la mairie. C'est moi, le Gabon là, c'est pour les Gabonais, c'est pas pour vous. Mettez ça dans vos têtes. Junior Bongo n'a pas pu voir la dépouille de son père, Papa Anjoua. Personne n'est venu parler. La cruche à Liankwa, ceux qui sont en prison là, Yangoulou, Jesse Lekoga, Benouridine. Non, ils n'ont pas de parents. Ceux qui sont en prison. Ou parce qu'ils sont en prison centrale. Et Ali Ben est dans la maison. Qui signifie que non, lui n'est pas prisonnier. Si, moi je vous le dis, il est prisonnier. Il est prisonnier. Yeminoua, c'est un prisonnier. Il est prisonnier comme ceux qui sont là en prison. Donc on a emmerdé par les gens. Parce que Dabani ne verra pas Ali Ben si c'est pas l'ordre du président numéro 1 gabonais, son excellence Olirangama, président de la République gabonaise. Si c'est pas Olir qui donne l'ordre, vous n'allez rien faire. Yeminoua, vous n'allez rien faire. Rien. Olir a été gentil de vous associer, d'associer les civils et de Fordi. Mais le crabe est mort au cours d'une danse à cause de changer beaucoup de pas. Et ce Dolly, Anodoli, et ce Dolly, Yeminoura, Oligui, c'est un Gabonais. C'est son pays. Père Gabonais, mère Gabonaise, né Eba. C'est son pays. Il va ranger ce pays. Ce que vous avez eu à gaspiller. Ce que vos parents, Omar Bongo, Ali Ben Bongo, ont gaspillé. Oligui va arranger ça. C'est ce qu'il est en train d'arranger. C'est pas aller voir l'enfant. Il y a eu des événements. D'où elle a vu son enfant. C'est bon, c'est fini. Hein? Il y a eu beaucoup d'événements là, à Libreville. Quand il est arrivé de Riyad, il est allé embrasser son fils. Quoi? Là, c'était Ali Ben. C'était pas une poupée. Pour dire, on dirait, vous nous cachez quelque chose. Là, c'était Ali Ben. Ali Ben est prisonnier, point barre.